Aujourd'hui, nous avons décidé de tester nos trails sur les terres exigeantes du Beaujolais. Nous aurons droit à des pistes larges, des singles, des passages boueux, de la terre sablonneuse, des pierriers et des montées impossibles, mais toujours avec des paysages sublimes. Alors, à votre avis, quel sera le meilleur trail ? Alors pour se mettre en jambe, on commence par des pistes faciles. Enfin faciles. Peut-être pas pour tout le monde a priori. Ah déjà ? Bien joué Stéphane. Toujours le premier celui-là. Alors Stéphane a fait une petite chute. Il est allé tout droit en fait. Ah merde. Donc Thédo est parti le chercher et on arrive. C'est pas du jeu ça. Ce chemin en terre sablonneuse aura eu raison de l'équilibre de Marie qui nous gratifiera de 7 belles gamelles sans conséquence. C'est bon, je l'ai. Venir, me dit, bon, là, c'est tout, là, colle toi. Ah, j'ai tout écouté, j'ai tenu à l'arrière, j'ai tenu à l'arrière. Allez, incroyable. Ah, par là, là, vers les trous. On Après une mini pause, on arrive sur la première difficulté pour nos trails, la croix de telle. Un jeu d'enfant pour Jérémy de French Enduro Trip. Quant à Mathieu. Ah, je sais pas comment j'ai fait, bon. Mais je l'ai fait. Voilà la croix de telle. Hein, regardez. Ah, le paysage est beau. Hein.
sans aucun problème. Regardez comme ça monte après. C'est du grand n'importe quoi. Marche à côté de non mais les Lyonnais ils sont mignons tu vois. Parce que ça c'est leur montée. En Ardèche ça c'est une montée. Bon ça fanfaronne mais elle est quand même raide la montée. Non, je me sens pas. Allez, on va redescendre. Comment ça, non? T'as l'arme absolue pour faire ça? Non, parce que moi, je dois vous amener à l'autre point, du coup. Vous êtes sûr? Non, moi, je personne pas... Non, c'est bon. Hein, vous êtes tous des trouillards comme moi, c'est bon? Ouais, c'est ça. Allez, suivez-moi. Ah, c'est peut-être pas qu'une impression, hein. Bah dis donc, je pense que c'est juste la... les têtes courtes, ouais. Est-ce qu'il y a encore un truc de droit sur cette moto? Là, pour descendre, j'étais comme ça. Là, t'es comment? Là, je sais pas, parce qu'on roule pas, mais... Non, mais hors de ta position. Ah ouais, ce sable, c'est la merde. Ouais. Bon, rouler, c'est sympa, mais ça creuse. Et vous savez, chez Vidmotard, on mange du gras toutes les deux heures, alors. T'as encore rien pété? J'ai essayé, hein. Quand Jérémy te dit que ça va être sympa, protège-toi. Ça y est, on attaque la prochaine difficulté, la boue. Ou alors, comme on dit dans le jargon, la bouillasse. Voire même une piscine. Mais moi, j'ai ni pris mon maillot de bain et je me suis pas encore mouillé la nuque. Parcours de santé.
doute trop subjugué par le paysage, faire dix pas d'avant dans ses herbes. Oh. Ah. Pas bien, je m'en mets une, hein. Ça va. Ah, j'ai l'épaule un peu, mais... Ça va? Ouais, ouais. Allez, relève-toi, mon pote. T'es aussi solide que t'as ténéré. Non, c'est bon. Ah, c'est ton... Regarde. Ah, c'est lui. Voilà. Ah, ça va mieux. Ça, ça va mieux. C'est ça la piste du gaz? Ouais, ça... On va passer sur le côté et revenir par la piste du gaz. Alors avant de prendre la piste du gaz, il faut passer dans ce sous-bois, assez piégeux, assez technique, pas facile pour tout le monde. Mais ça passe quand même. Ah, la piste du gaz. J'ai failli moi aussi m'en mettre une à cause de cette branche qui traverse le chemin. Surpris par cette montée glissante, Jérémy chutera et cela refroidira tout le monde. Ouais. Tu veux... Tu t'entretiennes un peu? Non, non, je vais repartir d'en haut. Vas-y. Tu veux aller pour descendre, non? Ouais. Ouais. Les papiers. Attends. Quand ça sort, ça arrête. Oh, t'as dit ça, mais oh, le sable là? Ah ouais, t'as fait une glaise, je suis tiens, même debout, je tiens pas. Putain, 2007, ça va être mon bonheur. On va aller chercher, faut aller chercher l'adhérence plus bas. On va chercher en bas. Ben voilà, c'est simple en fait. Et oui, avec un peu d'élan, ça passe toujours. Bon, la CRF, les Transalpes, les DR, le 701, on est tous passés. Ou presque. C'est bon. Bon, en vrai, on a mis une demi-heure à la montée. T'as vu ce machin? Et on a enlevé de la pression après. Ouais, ouais, c'est ça, ça t'as comme ça, galéré, mon gars.
Moi je vais rentrer rapide, ouais, mais on peut... Bienvenue mon fils. Merci mon père. Et après ce besoin de rafraîchissement de frigo, il est temps de classer nos trails. Et sans suspense, ils sont tous parfaits avec leurs défauts et leurs qualités. Et le meilleur, c'est celui qui nous va, pour ce qu'on veut en faire. En voilà des histoires pour un faux plat. Alors, vous roulez? Bon, en vrai, la meilleure c'est l'Africa Twin. Mais je dis pas ça parce que c'est la mienne. Hein. Marie, c'est quoi tous ces gens chez toi? Je sais pas. Oh, les gars, ils arrivent. Tout va bien, toi. Ah, moi, ça, là. Encore des sauvages. Il y a des champs, je t'avais pas reconnu. Des sauvages, des sauvages. La fois qu'on s'est vu, c'était en Autriche. Ouais, c'est... Ça va? Bon, installez-vous, on passera à l'accueil. Oh merde, on va avoir un 4x4 dans la vidéo. C'est nous, c'est moi. Reno, il va aller. Reno.